Deuxième parole, Jésus sur la croix. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nous allons voir ensemble, chers bien-aimés, le mystère de la puissance du salut. On a cette parole, Jésus t'a dit. Donc nous sommes capables d'écrire cette parole comme sept grands mystères. Parce que en chaque parole, il y a un paquet de détails ou bien un paquet de significations qui cachent. Peut-être que vous avez remarqué que Dieu dit cette parole. Mais dans la réalité, l'on va essayer de décortiquer. On va le voir que dans cette parole, ça y est, il y a un pile de travail qui fait. Jésus-Christ lui-même, lui représente même le salut. En parlant de salut, Jésus lui-même, lui c'est le salut. C'est ça que Paul a dit. Il y a de salut en aucun autre. Car il y avait sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. En parlant de salut, nous parlons directement de Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus-Christ, pas de rien ou bien aucun autre monde qui est capable de salut. D'ailleurs, nous avons regardé après. Simeon, qui a une promesse sur la ville, qui n'est pas qu'à mourir sans parole sauvée, il va dire, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Donc, Jésus-Christ, c'est salut. Et c'est ça que on va voir sous la croix, libre d'avoir accès pour le bail salut. Wow! C'est seul monde qui a fait ça. Parmi tout le monde qui a habitué cloué, qui n'a pas fait ça. Mais Jésus dit même, aujourd'hui tu seras avec moi. Je dis à même, ou avec moi, dans le paradis. Donc mes frères et sœurs, oui, si vous avez besoin de salut, vous ne pouvez pas que vous allez à regarder la croix. Parce que nous jouons un salut, c'est à travers de la croix. Donc ça c'est la deuxième parole que Christ lui-même lui a prononcée. Sous la croix. Les messieurs ont dit comme ça. Le des malfaiteurs crucifiés le jurait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disant, n'écris-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc l'histoire racontée, mes frères et sœurs, Jésus-Christ cloué dans le des brigands. Mais il y a un brigand qui a moqué Jésus, il a dit, mais où c'est Christ là? Sauvez-nous tout. Retirez-vous contre et puis sauvez-nous tout. Mais c'est l'autre qui dit, ah bon? On va dire pour mon Dieu. On va dire pour mon Dieu nous-mêmes. Sans la Bible là, nous méritons, c'est récompense de ça qu'il nous a fait. Mais lui-même, il va faire rien. Et puis il dit là, Seigneur, songez, l'homme établi au royaume. Donc mes frères et sœurs, pour gagner le salut, faudrait-il que ou recevoir sacrifice la croix. Et c'est ça que Paul a dit, pas que monde qui parle dans l'enfer parce que c'est pécheur. Christ vient de mourir pour pécher déjà. Mais vous parlez dans l'enfer parce que vous ne recevoir sacrifice là. Donc tout le monde qui a pour sauver, c'est parce que nous te recevoir le salut. Donc salut à la entrée, la frappe pour le cœur. Mais faut d'abord recevoir. Faut d'abord recevoir. Donc salut à tes soucours avec monsieur. Vous avez décidé de rejeter et l'autre a décidé de choisir. En d'abord, il y a tout salut à la salle là. Qui sont décidé de faire? Qui sont choisis? Moi, je ne bon salut. Personne sur la terre n'a pas bon salut. C'est seulement Jésus qui a bon salut. Donc, pour le salut, il faut d'abord accepter Jésus. Parce que Jésus même, lui-même, lui, c'est le salut.
calme accès pour libérer tout le péché. Donc si vous avez une liberté, si vous avez une guérison, si vous avez une toute libération de tout vieux péché, ça attendait tout ça, diable maré. Amen. Vous devez accepter sa vie. Parce que on l'a dit, car tous ont péché et ont privé, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est Jésus-Christ. Si l'on remet chapitre 3, le verset 23 avec 4. Donc nous tous nous sommes péchés. Nous n'avons pas d'espoir ça encore. Ça allait d'apprendre, c'est la mort. Mais Christ vient à travers la rédemption, à travers le combat et la vie sur la croix. Eh bien, il offre salut à tout le monde. Il dit, voici ma frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et il ouvre, j'entre chez lui. Je souris avec lui et lui avec moi. Donc ça c'est deuxième parole Christ bail. Christ fait sentir mes frères et sœurs, salut à ces lignes qui autorité spirituelle. Et ceci c'est ça qui bail, monsieur, problème. Les Christ a dit, levez, allez, péché pardonné. Et les gars dit, mais qui est souillé pour pardonner péché? Ça a gardé seulement bon Dieu, ça a gardé seulement pour Dieu le ciel là. Donc c'est un mystère caché que monsieur pas qu'à découvrir. Ou même pas qu'à découvrir ça, pour Christ qui accepte pour pardonner péché. Et Christ montre même. Sous la croix. Il m'a seulement dit accès pour pardonner péché, mais il accès pour aller au-delà des pardonnés péché. Et c'est ça que même lui dit aujourd'hui, à l'instant même, tu seras avec moi dans le paradis. Qui est assuré si Christ a venu pour nous même? La carte va ça. Certainement, monsieur Patouné qui est juste. Et c'est ça qu'elle dit avec l'on, elle a dit nous-mêmes, c'est récompense nous jeunes là, parce que nous-mêmes, ça nous fait un ballon. Mais songez, bon Dieu, il dit, Seigneur, songez, là on va venir établir, ou alors moi. À cela, si vous avez un conseil pour nous dire, toujours dit Jésus-Christ, songez, là on va venir établir, ou alors moi. Parce que s'il va songer, s'il va dire, ou avec le paradis, amen, mes frères et sœurs, si l'enfer éternel. Et ça qu'on peut regarder dans Colossiens chapitre 2, verset 14-15, il dit qu'il a effacé l'acte dont la ordonnance nous condamnait. Et qui subsistait contre nous. Il a détruit en éclatant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement spectacle en triomphant par la croix. Donc la croix, mes frères et sœurs, c'est signe triomphal nous. La croix, c'est là que nous jouons une liberté. La croix que Christ est d'accord monté pour te dire, mais salut à lui, nous recevons la soya. Donc c'est un meilleur moment. C'est une dit, c'est ce seul accès qui va nous. Voir pour nous entrer, nous sommes là, tout chèlbe on a fait, tout chèlbe on a fait dans l'évangile, tout chèlbe dans l'évangile. Si Christ va d'accord, il va la vie sous la croix, un peu frère, monsieur, tout a fait toujours esclave. Et ça veut dire qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances pour condamner. Donc avant Christ ait la vie sous la croix, nous te condamnés. Avant Jésus de venir la vie sous la croix, nous te condamnés. Mais puisque par le plan rachat qu'il a fait, avec l'infini, il va la vie. Et c'est là la baille sept paroles, les sept grands mystères. Et la deuxième parole, elle a dit, aujourd'hui, tu seras avec nous, avec moi, dans le paradis. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dieu vous appelle. Par du cœur. Même Jésus-Christ dit, pour malfaiteur, il a dit pour assoya. Il dit pour assoya. Je dis à vous avez une opportunité. Pour avec lui dans le paradis, qui ça vous décide de faire? Est-ce que vous avez choisi ou bien soit rejeté? Je dis à ces jours pour recevoir salut, qui ça va faire? Et c'est même salut, ça, il dit je t'ai venu, je suis venu chez le tien, et les filles ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. De devenir enfant de Dieu lequel sont les. Elle dit, ce n'est ni par le sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Les vingt-quatre nous parlent, certes, ils vont recevoir, mais à tout le monde qui recevoir et qui croit dans lui, ils vont accepter une petite bon Dieu. À ce qu'il y a ça, il y a fond de votre cœur. Qui ça vous risque de faire? Ou même quand vous regardez nous, quand vous attendez nous. Assoya, salut. Jésus vous l'a dit aujourd'hui. On va avec lui dans le paradis.
mais qu'ils ont décidé de faire. La croix, c'est signe libération. Il raconte une histoire. 5 amis qui ont marché dans la forêt. Et puis, ils ont perdu le caillou. Puis, ils ont retourné. Et puis, ils ont dit, monsieur, nous avons une route là. Dans la forêt, elle fait frais, en pile, elle a tombé, elle a commencé la nuit. Mais qu'elle va à côté pour mettre pied. Et puis, ils ont dit, monsieur, nous avons une route là. Et puis, rapide, vite, ils prennent devant. Tout le monde a suivi. Et puis, après un long parcours, ils ont marché. Ils ont estimé heureux que nous sommes dans la même position que nous. Donc, ça veut dire, monsieur, pas qu'à mener. Ils ont allé prier. Et puis, on a dit, mais c'est à nous prier, mon Dieu, non. Quand ça a mon Dieu qui a monté nos routes là. Et puis, l'autre qui a dit, oui. Mais tu dis, pas bon Dieu a dit, non, même. Et puis, on a dit, mais c'est à nous prier quand même, ça va servir nous. Il va retirer un jour. À nous prier peut-être. Nous gardons nos routes là, vrai. Et puis, ça a mis une prière à mettre à genoux. Il va dire une parole. Il dit, Seigneur, bon, il y a un signe pour nous retrouver chez mes caïmes. Parce que nous perdus. Nous connaissons un signe. Et puis, au nom de Jésus, amen. Et puis, c'est le même moment, l'église qui est dans le village là, pasteur dit comme ça pendant la prêcher, il dit, à nous lui menons lumière, quoi, qui nous sous dans l'église là. Parce qu'il lui fait noir net dans la ville. Comme ça, on nous a dit, à cause de la lumière, va voir, il est capable de retrouver chez moi. À l'est, même si on a fait briller, il passe la lumière, et puis quoi allumer. Et puis rapide, vite, n'est-ce pas, suivre son quoi. Il retourne le chemin. Donc la croix à soya, c'est le symbole de liberté. Nous. La croix à soya, c'est le symbole de salut. Nous. La croix à soya, c'est le symbole de délivrance. Parce que si même la bataille d'accord, Alba est la vie sous la croix, moi avec soya, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de chita là. Donc, je voulais dire au monde, si vous sentez vous perdre le chemin, si vous sentez vous avez dérouté, si vous sentez vous avez perdu espoir, allez chercher Dieu sur la croix. Amen. Si vous sentez vous avez abandonné, ou pas comme ça vous fait, ou pas à gauche, à droite, cherchez Dieu sur la croix. Seulement pensez avec la croix et vous pouvez. Bon Dieu, après ça, nous délivrer. Parce que nous délivrer, nous justifier, nous purifier par les mains de la foi. Et la foi, ça va de l'autre côté. Il se tient dans Jésus. Donc, à ce moment-là, avec Zambien, priez, et comme ça, on est capable. Ou est-ce que vous arrivez à la croix? Et la croix, mes frères et sœurs, il fait nous entrer dans l'alliance du salut par la grâce. À cause de la croix, nous sommes capables d'entrer en bien salut par la grâce. Parce qu'il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, mes frères et sœurs, la croix n'a pas les liens à soi. Les 7 paroles de Jésus sur la croix. La croix, c'est symboliser salut pour nous. C'est lui qui symbolise toute grâce qui est dans la Bible. Au théâtre, je vous le dis, toute grâce. Bon Dieu, c'est un grand merci. Jésus était bon, moi, tout pas dans lui. Et l'homme, moi, qui était coupable, je ne salue sous bois. Calvaire. Donc, la croix sur les frères et sœurs. Deuxième parole, Jésus-Christ sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Et pour finir, dis-nous, l'alliance du sang fait de nous des fils et des filles de Dieu et des héritiers par la grâce. Donc, c'est à cause de sang Jésus-Christ sur le bois du calvaire qui vient cause moi avec eux. Nous qu'à hériter. Assoya. Si nous sommes brûlés, si nous sommes prier et prier avec Zossi, je sauti à travers la croix. Et c'est sur la croix Christ a dit cette parole. Et deuxième parole, elle dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Que Dieu vous bénisse.